Oui, c'est compliqué pour célébrer, de fait, comme pour tout le monde. Mais la jauge est en train d'évoluer d'une façon positive. Donc nous pouvons d'ores et déjà être plus nombreux dans les églises. Est-ce qu'il y a une différence entre le premier confinement et ce confinement-ci? Alors, de fait, oui. Parce que d'abord, on avait au moins une église ouverte sur Carcassonne, qui était l'église des Carmes. Et on a pu y assurer des permanences d'accueil. Les gens ont pu venir y prier, et ils sont venus y prier en nombre, notamment le samedi, qui est le jour du marché. Et puis, on a pu aussi, ce jour-là, assurer les confessions et l'écoute de personnes, ce qui était important, parce qu'on a senti aussi, que les gens soient pratiquants ou pas, un besoin de parler et un besoin de rompre l'isolement. Le premier confinement ne nous avait pas permis de faire ça.